Bonjour tout le monde. Merci de joindre notre séminaire en ligne, le rôle de soutien à l'école. Je m'appelle Shiri Jonah et je suis la directrice de l'inclusion scolaire à l'Association de Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. I'm going to restart. Bonjour tout le monde. Merci de joindre notre séminaire en ligne, rôle de soutien à l'école. Je m'appelle Shiri Jonah et je suis la directrice de l'inclusion scolaire à l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. L'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire, ou LAMBIC, c'est un organisme provincial sans but lucratif qui travaille au nom des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de leur famille pour faire en sorte que les personnes ayant un handicap intellectuel aient le droit de vivre, d'apprendre, de travailler et de participer à la vie de leur communauté en tant que citoyens valorisés et utiles. Bonjour tout le monde. Merci de joindre notre séminaire en ligne « Rôle de soutien à l'école ». Je m'appelle Shiri Jonah et je suis la directrice de l'inclusion scolaire à l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. L'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire, ou LAMBIC, c'est un organisme provincial sans but lucratif qui travaille au nom des enfants et de adultes ayant un handicap intellectuel et de leur famille pour faire en sorte que les personnes ayant un handicap intellectuel aient le droit de vivre, d'apprendre et travailler et de participer à la vie de leur communauté en tant que citoyens valorisés et utiles. Fondée en 1957 par les parents dont les enfants n'avaient pas le droit légalement à une éducation dans nos écoles publiques, LAMBIC a évolué au fil des ans et le consacre désormais à des initiatives qui touchent à presque tous les aspects de la vie des personnes ayant un handicap intellectuel. Je voulais définir l'inclusion scolaire avant de continuer pour qu'on ait tous sur la même page. Alors, l'inclusion scolaire, j'ai pris la définition du politique 322 du ministère de l'Éducation, du Développement, de la Petite Enfance, et c'est défini comme la philosophie et ensemble de pratiques pédagogiques qui permet à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte qu'il puisse apprendre avec ses pairs d'un milieu d'apprentissage commun et réaliser son plein potentiel. L'inclusion scolaire repose sur un système de valeurs et de croyances axées sur le meilleur intérêt de l'élève et favorise la cohésion sociale, l'appartenance et une participation active à l'apprentissage, une expérience scolaire complète ainsi qu'une interaction positive avec les pairs et la communauté scolaire. Quand on parle du milieu d'apprentissage commun, ça veut dire la salle de classe où tout le monde apprend ensemble. Alors, on va parler des rôles de soutien dans les écoles. Les élèves sont plus avantagés quand ils reçoivent le soutien de diverses personnes au sein de l'école. On va parler de toutes les personnes qui peuvent aider et travailler avec votre enfant pendant leur jour à l'école. Le webinaire aujourd'hui porte sur quatre types de rôles de soutien dans les écoles. Nous examinerons chacun en détail et consacrerons un peu plus de temps aux assistants en éducation. À LAMBIC, nous recevrons beaucoup d'appels de parents mécontents du système scolaire parce que leur enfant n'a pas d'assistant en éducation à plein temps. Au cours du webinaire, je parlerai de différentes mesures de soutien disponibles et dirai pourquoi il est important de ne pas se concentrer uniquement sur le soutien
d'une assistante en éducation. Par contre, il y a des idées fausses concernant les rôles de l'assistant en éducation. Alors, on a des enseignantes, le soutien des pairs, l'enseignant d'appui à l'apprentissage ressources, ça c'était, on dirait l'enseignant ressources, et l'assistant en éducation. Alors, on va commencer avec l'enseignant de salle de classe. Alors, tous les enseignantes, sont le premier point de contact pour tous les élèves. Les parents des enfants qui n'ont pas de handicap vont voir l'enseignant directement. C'est votre droit comme parent d'un enfant ayant un handicap de faire la même chose. Cela aide à valoriser l'élève aux yeux de l'enseignante puisqu'ils sont responsables de l'élève. Parfois, les parents vont voir l'aide enseignante ou l'enseignant ressource avant de songer parler à l'enseignante. Mais en réalité, quand les parents ont un problème, ils devraient contacter l'enseignante titulaire directement, sauf qu'à l'école secondaire, les parents devraient contacter l'enseignante selon la matière. Alors, l'assistant ou l'enseignante aide tous les apprenants dans le milieu d'apprentissage commun, quel que soit le niveau de leur capacité. Elle planifie l'enseignement et les activités pour tous les élèves. S'efforce de répondre aux besoins d'apprentissage spécifiques de chaque élève en ayant recours à la conception universelle pour l'apprentissage et la pédagogie différenciée. L'enseignante de salle de classe travaille en collaboration avec les enseignants ressources, les assistants en éducation, les élèves et les parents. L'enseignante de salle de classe établit le plan d'intervention ou le PI ou le programme d'adaptation scolaire, le PAS, avec une équipe de professionnels s'il y a lieu. Elle est chargée de l'évaluation et du suivi de l'apprentissage de l'élève de façon continue, incluant les objectifs du PI ou PAS. Elle vise à la mise en œuvre des stratégies documentées dans le PI ou PAS, donne à chaque élève un bulletin au même temps que les autres élèves, et est le principal contact de communication entre la maison et l'école. Maintenant, on va parler du soutien des pairs. Alors, le soutien des pairs peut fonctionner pour tous les élèves, peu importe le besoin de soutien. Le soutien des pairs est une stratégie qui consiste à placer les élèves en tandem ou en petit groupe pour participer à des activités d'apprentissage qui soutiennent l'apprentissage scolaire et les compétences sociales. C'est une méthodologie de recherche qui donne de bons résultats pour ce qui est à la réussite de l'élève et de ce sentiment d'appartenance au fil du temps. Les soutiens des pairs procurent aux enseignantes un outil d'apprentissage permettant d'améliorer l'enseignement de l'élève avec ou sans handicap. Si on veut définir le soutien des pairs, c'est un enfant de la même classe ou du même niveau scolaire qui offre un soutien à autre élève sous la direction de l'enseignante. Des exemples de ce que le soutien des pairs pourrait ressembler, c'est deux élèves ou plus travaillent à un projet, un élève lit à haute voix pour un autre élève, un copain ou camarade sur le terrain de jeu, ou s'asseoir ensemble à la cafétéria au lieu d'être assis avec des assistants en éducation. La plupart ont pour but d'éviter que l'enfant soit constamment accompagné d'un adulte. Nous devons toutefois nous assurer de ne pas nous fier uniquement sur l'élève. Alors, avec l'enseignante, vous pouvez échanger de l'information selon votre niveau de confort comme parent pour partager un autre élève.
parler des ob certains obstacles que d'autres élèves pourraient aider à surmonter. Surtout avec des compétences sociales ou quelque chose que nos élèves pourraient aider en salle de classe. Alors, il y a des avantages pour tous les élèves en utilisant le soutien des pairs et c'est vraiment semblable entre les deux pour un élève ayant un handicap et un élève sans handicap. Alors, pour un élève ayant un handicap, ça améliore les interactions accrues avec les pairs, les amitiés enrichissantes, l'engagement scolaire amélioré, meilleur accès aux programmes éducatifs, attentes plus élevées, relations positives accrues et davantage encore. Pour un élève sans handicap, les avantages, c'est l'amitié enrichissante, apprentissage amélioré, occasion de ma maîtriser l'apprentissage. Et ça, c'est parce que quand tu enseignes la matière, tu vas la maîtriser. Alors, si on a un élève qui va enseigner un peu de matière à un autre élève, cela va leur faire maîtriser cette matière-là et c'est toujours sous la direction de l'enseignant. Acceptation accrue de tous les élèves, attentes plus élevées, relations positives accrues et davantage encore. Maintenant, on va parler de services de soutien à l'apprentissage ressources. Alors, les enseignants ressources, si c'est aussi pris du politique 322 du ministère de l'Éducation, et c'est l'enseignante certifiée œuvrant dans le système scolaire public pour appuyer les enseignantes afin qu'ils développent, appliquent et évaluent des stratégies d'enseignement et ainsi assurer le succès de l'élève dans ses apprentissages et enseigner à des élèves individuellement ou en groupe au besoin. Les enseignants ressources ont pour but d'apporter un soutien systémique aux enseignants de salle de classe. Mais ils tiennent périodiquement des rencontres pour établir des stratégies visant à appuyer des enseignants dans la satisfaction. Il tient périodiquement des rencontres pour établir des stratégies visant à appuyer les enseignants dans la satisfaction des besoins. Tient périodiquement des rencontres pour établir des stratégies visant à appuyer les enseignantes dans la satisfaction des besoins des élèves et dans la réduction des obstacles à la réussite des élèves dans l'apprentissage. Il règle des problèmes précis et d'abord enjeux systémiques ainsi que des questions propres à une enseignante ou un élève en particulier. Les assistants en éducation. Restart. L'enseignant ressource au cours de l'année scolaire sont tenus de passer au moins 60% de leur temps directement à collaborer avec les enseignantes et à les appuyer. Au maximum, 25% de leur temps devrait être consacré à l'enseignement et à l'intervention directe auprès de petits groupes d'enfants et à l'occasion auprès des élèves à titre individuel. Alors, c'est pas beaucoup de leur temps est passé à faire d'intervention avec des petits groupes ou individuellement. Surtout de leur temps est passé pour être un soutien et collaborer avec les enseignants de salle de classe. Maintenant, on va parler des assistants en éducation. Les assistants en éducation sont une ressource importante d'un système scolaire inclusif. Lorsqu'il y a
Lorsqu'on y a des recours de façon appropriée et efficace, les assistants en éducation peuvent être un grand soutien à l'enseignant pour l'appuyer dans l'apprentissage de tous les élèves et à l'élève ou aux élèves auprès qu'ils interviennent. Les assistants en éducation sont assignés à l'enseignante et ensemble, ils s'efforcent d'appuyer l'apprentissage de tous les élèves de la classe. Certains élèves de la classe peuvent nécessiter plus de soutien personnalisé et souvent l'assistant en éducation est assigné à cette tâche. Il importe de permettre à l'élève de travailler de façon autonome le plus possible. Quand cela se produit, l'assistant en éducation peut travailler auprès des autres élèves de la classe pouvant profiter du soutien. Alors, le rôle de l'assistant en éducation, c'est d'aider les enseignantes à donner à tous les élèves le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Il devrait aider les élèves à devenir autonomes tout en s'assurant qu'ils ne deviennent pas dépendants de leur soutien, enseigner aux élèves à défendre eux-mêmes leurs droits, à connaître leurs besoins d'apprentissage particuliers et de les exprimer verbalement avec des pictogrammes ou par la voie électronique. Aider les élèves à accueillir et à mettre en pratique les compétences scolaires et fournir des soins personnels aux élèves quand cela s'avère nécessaire et approprié. Il importe que l'assistant en éducation ne se fie sur l'élève pour répondre à son besoin ou à son désir d'être utile et d'aider les autres. C'est très facile à faire, mais nous devons maintenir des relations professionnelles avec les élèves et les parents. Alors, si on regarde à les assistants en éducation en tant que facilitateurs d'inclusion, ils peuvent travailler auprès d'un élève ou d'un petit groupe dans la classe selon les directives de l'enseignante. Ils travaillent auprès d'un élève ou d'un petit groupe dans une séance privée selon la directive de l'enseignante, mais ça peut être à l'extérieur de la classe à l'occasion. Ils surveillent les activités de la classe pendant que l'enseignant travaille auprès d'un élève en particulier ou d'un groupe d'élèves et ils aident l'enseignante à surveiller le travail de groupe. Ils peuvent aussi lire le contenu aux élèves pour améliorer leur compréhension, écrire pour un élève éprouvant de la difficulté à écrire ou à exprimer ses idées, pratiquer la lecture, l'écriture et l'orthographe, et utiliser la technologie d'assistant ou de ses dispositifs de communication. Ils peuvent aussi revoir l'information pour un test ou exercer des compétences apprises, perfectionner l'aptitude à étudier ou à organiser, apprendre et exercer des stratégies de relaxation s'il y a lieu, joindre ou initier des interactions sociales avec leurs camarades. Dans l'étude de Eric Carter, il ressort que lorsque les assistants en éducation travaillent auprès des élèves sur les compétences sociales, ils ne songeaient pas vraiment à amener leurs élèves à mettre des compétences en pratique avec leur père. Il importe que l'assistant en éducation ne finisse pas par faire partie de la relation, mais qu'il apprenne à se retenir et laisser l'élève à devenir ami. Certains assistants en éducation admettent qu'ils assistent parfois trop un élève pour lui permettre de réussir. Ils mentionnent qu'ils sont souvent contraints à accompagner un élève et peuvent en connaître davantage sur cet élève que n'importe que d'autres membres du personnel.
mais qu'on ne leur demande pas de donner l'information à quelqu'un d'autre. Alors, le recours excessif à un assistant en éducation dans l'aide personnalisée pour un élève peut avoir des effets négatifs involontaires chez l'élève. Ça se peut qu'il y ait de l'isolement des autres élèves et l'inférence des interactions avec eux. La dépendance envers un adulte, même pour des tâches que l'élève sera en mesure d'apprendre ou de faire avec moins ou sans soutien. Les élèves se sentaient stigmatisés toujours avec un adulte. L'élève court plus de chances d'avoir un accès limité à l'enseignement de l'enseignante et les interactions avec lui. Un assistant en éducation ne peut pas bien maîtriser la matière. L'enseignement peut être personnalisé, mais ne peut avoir l'intensité ou la qualité qui permet à l'élève d'atteindre des objectifs du programme éducatif. Un assistant en éducation peut parfois recevoir un peu d'orientation de l'enseignant sur la façon et le moment d'intervenir dans la classe. L'enseignant, les parents et les élèves peuvent ne pas obtenir ce qu'ils méritent ou attendent. L'assistant en éducation peut ne pas bien connaître ou ne pas connaître de toute la matière et soutient l'élève même s'il ne maîtrise pas bien dans la matière. L'école essaie de jumeler l'assistant en éducation à la classe, mais ce n'est pas toujours possible. Et ça arrive parfois à l'école secondaire quand un élève est inscrit dans un cours, on dirait pour mécanicien, mais l'assistant en éducation n'est pas au courant du matériel dans ce cours-là, alors ne peuvent pas vraiment aider à l'élève. L'enseignant peut par erreur avoir l'impression que l'assistant en éducation a la responsabilité de l'apprentissage des élèves quand il connaît mieux l'élève ou il a reçu des directives de l'enseignant ressource. Ce qui est spécifique à l'école ou spécifique à l'enseignant dépend de l'enseignant et de l'école. Cela fonctionne parfois vraiment bien, mais pas tout le temps. Je voulais aussi mentionner le syndicat. Et tous les assistants en éducation travaillent pour le syndicat canadien de la fonction publique et non pas dans le cadre du système d'éducation. Les changements dans leur placement sont souvent attribués à droits relatifs à l'ancienneté et non pas déterminés au sein de l'école elle-même. À l'intérieur de l'école, le placement des assistants en éducation est déterminé par l'équipe stratégique et dépend des besoins de tous les élèves de l'école. Des obstacles empêchent les assistants en éducation d'assister aux réunions scolaires hors des heures de travail normales. Mais s'il y a une réunion, souvent l'enseignante ou l'enseignant ressource recueille de l'information de l'assistant en éducation pour la transmettre à la réunion et ainsi faire entendre son point de vue. Des obstacles empêchent les assistants en éducation d'assister aux réunions scolaires en dehors de leur heure de travail normale. Si un assistant en éducation doit assister à une réunion, il lui faut consulter un représentant du syndicat. Alors, il y a d'autres mesures de soutien offertes dans les écoles et à l'école, mais en règle générale, le soutien au niveau du district consiste à renforcer la capacité de personnes au niveau d'école et ne travaille pas directement avec les élèves. Alors, pour faire un petit résumé, l'enseignant de la salle de classe ou de la matière est le premier point de contact pour tous les élèves. Certains élèves auront besoin de soutien de tous les services de soutien à un moment ou à un autre.
Le recours à différents rôles de soutien donne les meilleurs résultats. Et le soutien de pair est le mode de soutien le moins utilisé et pourtant le plus bénéfique. Merci beaucoup à écouter à notre séminaire en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez visiter notre site web. L'adresse, c'est là. Vous pouvez aussi nous téléphoner à 1-866-622-2548 et vous pouvez nous envoyer un courriel aussi et on peut répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée.